Kaili Jovenel Moïse. Faut nous dit c'est vendredi enterrement la fête. Deux journées congé, jeudi à vendredi. D'après ça, en fait, l'équipe qui se pouvoir décider. Et faut nous dit tout. La rue Port-au-Prince commence à couvrir avec photo Jovenel Moïse avec un pile banderole. Côté y a cité quelques déclarations clés qui étaient faites en couti restant pour peuple de bailler comme ça même gens les campagnes électorales dit et ben c'est même opération qui a fait tout partout photo en noir et blanc mais question toujours été à poser qui s'est passé dans résidence privée Jovenel Moïse et jour qui était 7 juillet 2021 hier confrère nous Miami Herald dans un cadre d'enquête dit appené mais c'est pas seulement média international qui venait enquête nous même tout pas bon ici nous fait ça tout bien que en pile fois et propre compatriotes nous pas jamais gain reconnaissance de travail nous fait dans domaine ça yo mais ça pas fait rien nous même depuis gain conscience nous tranquille dans ça qui concernait application professionnelle et avec moyen que nous gain tout et puis avec culture qui gain dans pays à tout qui pas facile mais nous fait ça nous capable. Faut que nous dit jour qui était 7 juillet 2021, il était exactement 1h34 du matin, l'œil un officier supérieur et qui un officier qui en chargé sécurité président recevoir un appel côté président dit li yo attaqué la Kaili li ordonné li pour li venir avec un troupe pour venir et défendre venir protéger. Gen au moins 3 rapports et radio Kiskeya jeune nan un source qui capable faire confiance yo voyé nan date 8 juillet by directeur général police nan concernant incident qui t'est passé kay président incident grave terrible et qui abouti à la mort et la police non avec Léon Charles nan tête li ni tout président CSPN nan premier ministre de facto Claude Joseph pas jamais parler de yo pas jamais faire référence. Parce que c'est toujours même question, tout pour la population à poser, comment Kay qui a plus de sécurité dans le pays a fait subir attaque ça sans que monde qui t'a suivi le président, il a pas jamais levé même petit doigt yo. Comment il a expliqué ça? Eh bien c'est en a fouillé zone Kalalou à partir de rapport ça et puis nous avons quelques éléments réponse que autorité a pas jamais bail population. Pour qui raison? Certainement il y a une raison pour ça. Dans un rapport ça yo gen un responsable et sécurité kay président qui remet rapport li pour parler de incident ça qui rivé grand matin 7 juillet puisque le nan 1h du matin et c'est li gen tan l'autre journée et li dit il était besoin depuis besoin 1h du matin les présidents te relé pour informer gen yon attaque qui a fait et sous résidence li. Et dat sa il te dit c'est monde qui non identifié et comme ça il te passe un ordre pour me voyer renfort rapide dans résidence non et immédiatement moi te relé assistant et puis nous te prend route là d'après ça officier supérieur ça et dans rapport lia et radio Kiskeya arrivé joindre information et il parlait il relé directeur général police non et il mandé appui unité spécialisée tant qu'au URGPN avec 4 teams pour immédiatement pour te venir dans résidence et président pour venir renforcer parce que tu gen moun là déjà et puis après ça officier supérieur ça dans la police nan déplacé et pour aller kay président directement et l'elle rivé pour l'entrée kay président dans Carrefour Pèlerin 5 là parce que ça dépend de contrat sorti de toute façon gen faut qu'on vire et l'elle vini pour entrer di barré ak des moun ki pa identifié ki te armé jouk nan dan ki te gen maillot noir sou yo pantalon jean et ki rale zam sou li ki flashé nan nan nuit lan nan même moment li rale bak nan machine ni et puis et comme yo te pi fort passé parce que te pi plus li pa tenté rien li campé à distance la pour observer jusqu'à ce que yo même yo vini déplacer. Pendant ce temps ça nan rapport voyé officier supérieur ça bay directeur général police non eh bien li parler avec un autre responsable dans sécurité président li mande ki côté lié parce que il était déjà alerté li dit ki côté lié géographiquement li dit camper côté lié a et barrer route là pour empêcher assaillant yo déplacer parce que y a prendre direction par là et puis après yo fin aller
et dat sa et commencer opération pour kembe yo et puis qui pral permettre yo arrêter yo gens que nous connaissons et puis yo pral de li pral déboucher sous de policiers simo USGPN que assaillant yo bon yo parlait de mercenaires de assaillants à Levini était prend yo en otage et au moins gagné 3 policiers simo qui étaient dehors kayla yo étaient menottés et puis désarmés et l'officier supérieur ça a entré dans résidence président li joine yon aide de camp président ensemble avec un chauffeur qui fait le connait pas gagné rien encore toute bagaille fini alors que lui-même il a prêt à tenter ouais s'il t'a courir l'hôpital avec président et dans moment il t'a privé c'est dans ça il t'a sorti avec madame président et qui t'est blessé que t'a courir l'hôpital immédiatement il dit il t'est relé et yon en proche président et qui n'est pas capable de joindre et monde qui était responsable sécurité a et puis après un bon moment il vient paraître et monsieur sale sous compte pas incident il fait connaître à tel déroulé pour pas touyel il était obligé caché dans moment assaillant était entré dans Kailan et puis par la suite avec un autre responsable et haut responsable dans administration officier supérieur ça était là les juges et de PA te vient faire et constat et puis établi contact avec pompe funèbre blanc pour te lever corps président ça c'est un rapport qui nomme directeur général police non et il pas et parler de ça du tout il pas bailler aucune information sur ça coude la gagné l'autre responsable et dans question sécurité qui était là sous place qui au même fait rapport tout toujours en date 8 juillet et rapport qui nomme supérieur hiérarchique et qui voyait copie bien entendu by supérieur qui piwo yo côté il dit ça avec douleur l'a pas annoncé ça passé dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet il était à zone 1h et demi comme ça dans résidence privée président qui chita dans pèlerin 5 et côté était gagné une attaque avec un pile violence qui fait un commando individu qui était armé jouk nan dan et comme yo était plus passé nous et en tant que effectif et yo te gen plus ressources matérielles ça veut dire te pi bien armé parce que nous-mêmes par rapport à agent sécurité panou qui était sous place et bien yo fini par entrer dans résidence président et jusqu'à ce que président perdu la ville donc yo même yo pas dans possibilité pour te riposter et selon information officier qui était là était bail yo bail tout détail que vous comprenez que nous pas capable bail là et Zach ça c'est un commando étranger qui te parlait anglais avec espagnol qui te vini et fell et côté yo te entré et dans la cour et kay président et puis après ça yo entré en dedans mais avant yo te tiré gros coup de zam automatique que tout le monde te attendait pendant plus de 10 minutes avant yo te entré dans kay là et cité non by détail concernant agent qui était là en premier qui déplacé qui allait l'elle tendait premier coup de zam nan et l'elle ouais deux mouvements qui pas normal qui t'a fait dans parage bon côté guérite et kay président côté agent Simo yoye. Et l'elle a cherché pour gain plus information et bien pour dire ça qui a passé aux arrêts bon poste fixe Simo et bien agent ça yo tout mettre main sous lit et puisque elle était pour compte lit l'elle tendait bruit al sorti yo menoté ensemble avec l'autre agent Simo yo et yo désarmé et côté que il pas capable faire rien yo te dit s'il pas remettre zam nan et y a vidé la tête comme il était seul pour compte li devant cohorte équipe ça li obligé obtempérer et d'après ça dit dans rapport criminel armé yo désarmé yo menoté bon côté agent Simo qui était déjà menoté ça c'est aux alentours de guérite qui pour entrer dans caille là et bon il dit que assaillant yo après ça les fin fait zak yo a yo aller avec tout zam yo et zam ni li même ni un lot qui était de service qui sont Galil et il dit que il demandait pour une enquête qui pour l'ouvrir agent ça rapidement pour connaître ça qui t'est passé l'autre agent qui fait qui était là qui fait rapport nous donnent plusieurs rapports et qui fait gagne ça c'était 8 juillet gagne qui fait 7 juillet à même qui dit il courir pour l'attirer attention et commandant 4 là sous sac passé yo dans la nuit là et côté et ensemble avec l'autre agent yo yo était dans résidence privée et président pour te assurer car service j'ai qu'on habitué faire bon zone 1h35 comme ça du matin et bien nous tendait de gros âmes qui t'a tiré deux âmes très puissants et nous tendait une voix tout qui parlait dans haut-parleur
qui dit c'est DEA ak US Army qui débarqué là. DEA ak US Army et nous te riposté dans premier temps et pour nous te ka repousser. Mais face à puissance Zampayoa, nous obligé faire back parce que individu sa yo yo vinn lancer grenade dans la cour avant yo entrer dans la cour résidence président et pendant que yo te servi avec un coup de zam sans arrêter. Mais relais SOS m'a demandé renfort, mais renfort yo pas capable river parce que semblait toute route là te gagne difficulté d'après ça arriver à conclusion face à puissance zam yo individu sa yo. Et après, nous-mêmes, nous finissons épuisés munitions que nous avons gagné, nous pas capables de faire un rien encore. C'est chercher, chaper pour nous et nous courir dans le cachet derrière la résidence. Et agent unité ça, et il n'y a pas de accès dans le cas là. Alors, ce n'est pas normal, non, parce que surtout, agent ça a été supposé avoir accès dans le cas là. Et il n'y a pas de accès dans le cas là. Et il y a été dehors. Et étant donné mission yo était ca supposé entrer dans cala et ouais qui gens était capable et sauver et président si t'es sorti était capable péter une fenêtre un bagage comme ça. Ensuite nous t'attendait une voix et qui t'a dit que personne monde pas sorti. C'est l'opération finie. Et puis après quelques temps là nous-mêmes nous fin t'attendre ça et là nous-mêmes nous retourner après nous t'a al cacher. Et l'en vini noue tout dégâts, noue tout ça qui te fait yo, et tout pour nous connaître résultat. Gen un lot rapport qui pote date 9 juillet qui gagne plus détail la donne avec un pile information combien moun qui te là, qui est-ce qui te là, qui zam yo te gen en main yo, qui poste yo te occupé, qui sa yo tap fè jou soir et kote gen yon la dan yo qui dit li tap fè one kay la jan kon habitué fèl. Et passer dans zone li ba toute liste machine qui était là et à toute et information détail et li dit comme li habitué faire l'elle nan poste et ba à qui le yo te prend poste yo prend poste depuis nan matin d'après ça le fait connait jour qui était 6 juillet a, et yo te prend et poste nan base ça qui c'est kay président et côté yo te commencé travail et puis les gens qu'on habitué faire yo a fait a fin garder plan et puis commencer faire rotation et pour c'est plusieurs dans unité yo tous les trois unités qui en chargé et pour suivre le président après appelé c'est USP 4 team et puis avec USGPN yo chaque gain rôle yo et dans ça qui concerne périmètre sécurité yo parler de VIP je conseille parler de li et li rete la caille pendant toute journée li pas sorti. Li recevoir une visite de deux dirigeants politiques, vous comprenez que nous pas citer nos partis politiques pour kounye là qui viennent rencontrer Avel et c'est lui-même VIP, ça veut dire Jovenel Moïse qui autorisé pour dirigeant politique ça yo te vinn côté qui ban nous autorisation pour laisser passer pour entrer dans Kaela. Yo arrivé à 11h20 du matin, yo quitté Kaela à 1h16 dans l'après-midi. Après ça gon l'autre visite et fois ça c'est une dame mais c'est madame nan qui était autorisée visiteuse ça d'après rapport à toujours et depuis que équipe là la qui en chargé et sécurité président dans journée ça entre dans espace non et bien yo fait travail yo gens qu'on habitué faire yo fait ti visite aux alentours aller dans parking nan virer dans la cour résidence nan regarder si tout bagay normal. Et puis je n'ai pas passé, nous qui t'en assoué et puis il vient demain 1h du matin. Et date ça et pendant que gain agent intel que ne pas citer, mais descend dans parking non pour me faire une tournée, pour moi c'est toute bagaille en forme et puis et malem chita sous volant une dans machine yo et bay qui machine gens qu'on habitué faire et puis li mette li dans zone qui pas tellement loin barrière dans entrée résidence. Non. 30 minutes après le film fait ça et puis il va regarder dans mon dit 1h35 et dans ça il entend des gros rafales zam automatique commencer à tirer le temps pour réaliser qui ça qu'a passé là et bien il était déjà en bas attaque il était pour contre lui dans zone côté il était il dit immédiatement il prend radio pour essayer alerter et pendant la PC alerter les zam yo gagne projectile qui a tombé sous machine côté lié et donc il courit et il sorti dans machine pas derrière
et c'était première réaction et puis il retire col dans machine là et puis il couché à terre il rampait ventre en plate et puis zame continuer à chanter toujours et lui-même l'a cherché un gens pour protéger tête li parce que était pour continuer dans zone côté il était entre-temps il dit vite continuer à prendre balle et balle à tirer et une fois que lui-même était couché plate à terre et puis côté zame t'a tiré sans arrêter m'a rampé jusqu'à ce que m'entre dans petite machine et pour me prendre abri qui était dans la cour et dans ça me réaliser que zamyo t'a sorti dans tête kaila et non et parce que gon monde qui dès kay président mais yo t'a sorti dans tête kaila sous monde non mais t'a sorti tout dans entrée et kaila elle dit toute kaila t'est cerné et côté moi-même m'pas de capable retirer comme pas de sorti dans machine non et m'pas de gagner en quelle zame son pistolet seulement de gagner était sous main m'pas capable riposter avec yo donc moi rete abrité des ti machine non pendant m'a essayé pour me joindre si me ka joindre une cible parmi yo et non m'pa ka faire rien il était impossible parce que quatre autres machines qui étaient devant moi étaient pire que ti machine que m'étais abrité la donne en balle là ça t'a empêché pour me ouais ça t'a passé dans entrée et dans pas porte qui pour mener dans résidence non dat ça moi trouvé moi dans une extrémité dans la cour et à partir de là et côté danger à t'a sorti à danger à praler quitter dans zone côté m'était praler dans l'autre extrémité la cour alors que coup de zamyo t'a sorti dans sens ou l'ouest résidence non et yo pas jamais suspend tirer tout autant dans parking là que dans tête caillan particulièrement sous machine yo et yo te plate caout sous machine yo ou pa ka courir avec yo et écraser vite yo et puis là yon moment et lèm gade moi et côté mi caché dans bati machine là yon groupe monsieur qui gen gros am et yo entré dans parking résidence là mais moi prêt pa ka wè yo parce que côté m te am te trop bas et yo tiré surtout sous machine qui te gen vite teinté yo et nan moment ça et bien seul choix m'te gagné c'est aller cacher à terre râler comme traîner comme à terre net et m'pas capable wè tout nan niveau barrière qui bay accès à résidence parce que côté m'te y a le pas stratégique gen quatre machines que moi wè qui entrer mais c'est ou machine yo seulement moi rentrer dans parking nan m'pas ka wè et puis moi pied moun yo qui descend et yo vinn déposer monsieur Sayo un bon valet et yo t'a vini pi plis et yo commencé à tirer sous machine yo et puis après ça yo fouillé machine yo yo pas capable wèm côté que m'té a mais malheureusement comme yo t'ai en pile et moi même pas ka faire aucune réaction moi t'ai capable tendre à parler yo parler en espagnol même pas comprendre rien et yo parler en anglais il dit il pas parler langue ça donc radio communication tout t'a communiqué moi t'ai capable tendre y a parler et moi pas de comprendre langue espagnole là qui ça t'a dit entre yo et puis après un certain temps un bon bout de temps yo commencé déplacer et dans ça moi vinn wè pied yo yo t'ai environ 10 là me compter pied yo et qui t'ai machine yo t'ai vinn déposer et me trouvé moi côté mien moi t'ai des son un drone que yo t'ai déplotonné malgré patre groupe yo et ti yo te continue ap fèt et puis yo t'ap éloigné aller dans l'autre direction qui t'est opposé à côté m'té avec précaution que m'té prend mais rivé finalement m'quitter position non et c'est comme ça mal rejoindre barrière entre kaila et visible était visible te gon paquet dégâts te gen en fait et gen 5 nan agent yon nan unité yo yo te maltraité yo retiré zam nan mais yo te désarmé yo et yo te prend volé bagay ki te sou yo tout et yo te maré yo ak menot plastique et mwen rive la gè yo et puis après ça nous te allé nan résidence tan et nan moment nous rive a gen certain agent nan équipe sécurité et madame nan et ki te rive et yo même yo te entré en dedans et c'est yo même tout qui pral mené madame nan l'hôpital. Malheureusement, nous avons pral constater cadavre corps président qui pas ka bouger, il était en mouri. Et madame nan responsable sécurité, il bay non et te prend toutes mesures nécessaires
pour être capable transporter d'urgence dans l'hôpital. Après ça, nous t'arrêté en dedans pour plus fort dans nous agents ça yo et sans que nous pas de gazame parce que t'es désarmé en attendant et t'es gain suivi autorité qui concerné yo. Il était 10 heures du matin les que première autorité la justice yo t'est arrivé avec un aide de camp président et côté yo t'est fait constat légal et yo t'est ordonné pour lever cadavre corps président. Cadavre corps président pour lever à 5h45 dans après-midi. Nous-mêmes agents yo nous pral quitter zone là sous l'ordre chef qui t'est ordonné nous pour nous faire ça et d'après ça le fait connaître puisque on mettait caille là sous scellé d'après ça juge de paix commune Pétionville l'a te dit et bien toute unité qui était là yo tout le monde t'est déplacé. D'après ça le dit dit qu'on ouais bagaille maintenant carrière c'est pour la première fois il fait face à une situation comme ça pour gagner un VIP que supposé protéger la ville et était dans impossibilité pour te réagir puisque attaque là était massive, attaque là c'était une surprise et était prend toute mesure pour être capable et faire attaque là. Donc li voyait tout lis zam yo saisi yo et plusieurs fusils Galil 1 2 3 4 5 et fusil M14 Galil encore ça fait 5 6 7 on té 65 et yo prend Taurus yo prend un lock et un lock Taurus encore un fusil Galil il bay tout numéro tout détail yo et donc voilà et il dit l'autre agent est capable confirmer tout ça le dit yo mais qui rapport qui dans mes autorités yo depuis dans date 7 8 à 9 juillet et yo pas jamais fait aucun allusion à rapport ça. Faut que nous dit gagner l'autre information tout qui l'a pile longtemps que grâce à source nous capable faire confiance radio qui serait dans cadre d'enquête privée jeune par exemple de rapport de gros responsable dans sécurité t'es fait pour t'attirer attention et depuis même le président pour installer pour dire que pas qu'arrêter dans caïsa. Et sous nous et nous parler avec et qui et ben nous plusieurs données fait connaître quoi facteur qu'elle a joué dans ça passé et non t'as des événements t'es passé dans zone environ 3 ans t'as rapport qui dit faut que prendre des mesures drastiques pour protéger Kayla parce que le bidonville sous tête li li non ravine en bas li plein voisinage impossible pour garantir sécurité Kayla Jean lié a ou bien t'a fait des aménagements spécial ou bien pour président t'a sorti dans Kayla même gè question à faire de caméra depuis plusieurs mois qui défectueux pas jamais gè aucune mesure qui prend donc n'a prêté là pour aujourd'hui dans ça qui concerne rapport qui existait mais que autorité pas jamais parler de ça sous fil événement qui s'est passé jour soir ça dans résidence Jovenel Moïse justement gayen directeur police non qui rencontrait la presse hier te propose puisque l'Italie inauguré et désormais c'est deux directions police l'ouest nous gayen dal installé et inauguré nouveau local là et numéro 2 et eh bien jodi a li retourner puisque nous connais Léon Charles c'est un rôle de procureur général l'a joué jusqu'à présent dossier a pas dans la justice nous pral gagne 15 jours et li parler de l'autre policier arrêté li bay noyo Bonnie Grégoire et Clinton Hippolyte et puis gagne un Dominique Covin qui était présent d'après ça dit dans réunion pour planifier assassinat président Kai Renaldo Corventon. Songe, il était dit déjà dans conférence pour la presse en fait, non point de presse, c'est en République Dominicaine, il était planifié exécution président. Mais là, il parlait de Kai Corventon et d'après directeur général AIA, Léon Charles qui t'a présenté dans qui point enquête lanyé, une enquête que non seulement nous-mêmes journalistes haïtiens, mais tout journaliste international y a plein, il pas qu'à jeune fil d'Ariane non. Yo pas ka comprendre ça qui a passé là-dedans bien que grand pile monde qui a arrêté son assassinat président Jovenel Moïse dans point de presse li fait hier et chef police AIA fait connait gain 8 mandats d'amener la justice lancée de là-dedans déjà exécuté selon DGPNH nan
parmi moun la police a cherché yo gagné ancien sénateur John Joel Joseph gagné Rodolphe Jarre gagné Badjo Joseph Félix que la presse dans pays Colombie et chef police colombien présenté comme auteur intellectuel et criminel et pour citer ça seulement il précisait la police fouillé 13 résidences côté aux jeunes diverses armes ak matériel responsable la police dans fait connait enquête là fait carré continuer n'attendé directeur général AI police dans Léon Charles dans micro Didou par dans mission que nous baïe tête nous la police nationale d'Haïti nous bral présenter par la presse qui ça qui fait dans dossier enquête sur assassinat président de la République là et pendant 4 derniers jours ça depuis dernière présentation que nous fait avec gouvernement. Depuis dernier présentation que nous faisons, il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuent. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen, il est Dominique Auvin. Dominique Auvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Veria et réunion ça a été faite la caille Conventon que nous avons arrêté déjà. Et toute information ça yo yo confirmé nous collecter après analyse déclaration à Sayan nous présenter nous là Dominique Auvin qui sous contrôle la police il est en détention après ça la justice lancé 8 mandats d'amener et 2 là-dedans qui déjà exécutés nous avons un mandat contre Mario Antonio Palacios c'est un assaillant qui en fuite il y a cavale nous avons un mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir à Sayan, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sur lui après le mandat, monsieur qui est un réfugié aux États-Unis, nous avons un retracé et nous demandé aux autorités judiciaires aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable d'appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter l'auteur, mon type dangereux, qui a exécuté, qui a suivi comme entité. Opération ça, c'est le fameux Badjo Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a demandé, PNH l'a demandé, collaboration toute population hein, pour nous capables le plus vite possible de mettre l'examen en bas côte. Mandat pour Joseph John Joel, tout le monde connaît, nous avons annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Badjo, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur. Assassinat président Veria. N'a pas cherché Gordon Fenil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des mondes que nous gagnons sous contrôle. Ton dernier, c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous avons présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. 3 assaillants qui sont tombés. Et il y a pile l'autre monde que nous avons cherché. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, ces résidences, il y a une résidence. John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badjo. Résidence Rinaldo Corvin. Une entreprise qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel. On l'autre domicile de John Joel Joseph qui est en 83. Et on l'autre hôtel qui est le Villa Rose Pelgrin 2. En tant que résidence, nous saisissons un paquet d'examens avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences. 45 fusils, parmi lesquels il y a une sésame la police. 14 pistolets, il y a là-dedans une sésame la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et 23 mesures conservatoires qui ont pris à l'encontre de policiers, dont 7 qui placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers sérieux. Nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans la cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches de calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone et bon, décidé ça déjà. Pour finir, Braldi, rapidement, nous joignons. En pile auteur physique, la travail sur auteur intellectuel, l'enquête l'a continué avec un pile persévérance, la police a mis des moyens avec en coordination, collaboration
avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol, et nous travaillons sous pour nous chercher qui est-ce qui était par corps pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, pour l'autre venir entrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait corps pour faire financement ça. Gagner infiltration dans la police, il faut qu'il y ait corps pour faire ça. Gagner recrutement, c'est CTU. Yo paye nèg yo chaque nèg yo te bon montant pour yo te toucher. Il y a des contrats qui ont été signés avec de, avec moun yo montant. Donc ça veut dire il y a financement avec nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui t'a collecté comme pour bail parce que ça non information là nous en phase pour n'a exploiter tout les matériels que nous saisi pour nous capable retracer remonter à hauteur intellectuelle assassinat ça. Nous baille population garantie que la police là déterminée pour le faire travail là. Et c'est la police là qui a mené enquête là avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience. Nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous pour aider nous à retracer les gens. Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capables de mettre les gens sous contrôle, retracer les contacts que nous gagnons pour nous joindre pour faire ça. Et finalement, pour finaliser l'enquête là, remettre ben, la justice pour que la famille présidentielle t'ajoute une justice, pour que le pays t'ajoute une justice. Je dis à faire point de presse, directeur général AI Police Nationale, sous enquête là, Lydie qui a progressé, même bien que sentiment général, presque 2 semaines après l'assassinat et Jovenel Moïse Lacaille. Monde qui a suivi, yo poko comprendre très bien qui ça k'a passé dans enquête ça vient de toute une série de informations de rétention informations et la police n'en fait dit pas et communiquer au bail population et bail la presse. En attendant gagner un nouveau gouvernement avec bénédiction communauté internationale et surtout bénédiction américain et qui gagne en tête li et neurochirurgien qui c'est un branche très pointue dans la médecine, non? Et Dr. Ariel Henry, qui établit comme premier ministre. Et un premier ministre, un président, de ça déjà, oui, avec Marc Bazin, et dans la période exil, Jean-Bertrand Aristide, là, mais c'est une autre histoire. Et donc, Noël dira aller une série d'articles dans la Constitution, hein? Il parlait vu la Constitution. Par contre, qui Constitution? Parce que nous connaissons. Jovenel Moïse a une propre constitution, pas il a travaillé sous lui. Il n'a pas nommément dit constitution 1987. Il parlait de l'article 133, 149, 155, 106, 166 et avec 172.1. Il parlait tout de décret 17 mai 2005 sous question organisation administration centrale l'État, particulièrement dans l'article 36 pour justifier nomination cabinet ministériel Ariel Henry. Il parlait de arrêté 5 juillet 2021 et qui nous mène, nous connaissons 2 jours avant l'assassinat Jovenel Moïse dans Dinomé comme premier ministre. Est-ce que le était en ampliation, mais il était sorti dans le journal de Moniteur. Il dit que oui, il y a nécessité pour nommer membre cabinet ministériel ça. L'elle considérer les vacances dans question présidence république là ou bien démissionner ou bien destituer ou bien mourir et c'est cas ça ou bien incapacité physique ou bien mentale permanent là li a entré dans 149 là et bien conseil des ministres nan, sous présidence premier ministre nan, exercer pouvoir exécutif là dans élection yon l'autre président là Ariel Henry a ban nou menti et li manipulé article 149 là d'ailleurs même Jean Claude Joseph Tefel et li coupé là, li pa bay reste là. D'ailleurs, li pa la donne dans moment nou là, c'est pas lui-même et li pa parlement tout parce que pa gen parlement à cause toute institution dans pays a crasé sous administration Jovenel Moïse. Li prend bout qui bon pour lui. Donc ouais, dans qui république nou yé, je ne dis vraiment
République bananière. Alors, mais qui j'en nomination parti, il dit article 1er, et il nomme Tepli, Ariel Henry, nomme ministre Affaires sociales et travail. Un ministère ne connaît pas exister. Et citoyen Claude Joseph, nommé ministre Affaires étrangères à culte, n'a pas retourné sur ça tout à l'heure. Et citoyen Simon Dieussel Dera, nommé ministre Planification à coopération externe. Citoyen Patrick Michel Boisvert, nommé ministre Économie et Finance. Citoyen Charles Bredi, nommé ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Citoyen Wilson Edouard, nommé ministre Travaux publics, Transport et Communication. Citoyen Ricarden, c'est pas Ricarden Saint-Jean, c'est pas Ricardo, Ricarden Saint-Jean nommé ministre commerce et industrie. Citoyen James Cadet nommé ministre environnement. Citoyenne Louz Curta Cassandra François nommé ministre tourisme. Citoyen Rockefeller Vincent nommé ministre justice et sécurité publique. Citoyen Judith Nazaire Auguste, nommé ministre haïtien qui vit dans pays étranger. Citoyen Litz Kittel, nommé ministre et intérieur collectivité territoriale. Citoyenne Marie-Lucie Joseph, nommé ministre éducation nationale et formation professionnelle. Citoyenne Marie-Greta Wa-Clément, nommé ministre santé publique et population. Citoyen Sophia Loreus, nommé ministre conditions femmes et droits femmes. Et puis citoyen Pericles